quand est-ce que l'idée vous est venue d'accueillir une planche de bande dessinée à Beaubourg? Ben, depuis 8 ans que je suis conservateur au Centre Pompidou, il me semblait essentiel que tous les champs de la création soient représentés dans notre collection qui se veut universelle. Mmh. Et évidemment, la bande dessinée, qui a maintenant plus de 150 ans d'existence, avait vraiment sa place au Musée national d'art moderne et elle n'était pas présente. Alors chacun a son panthéon, chacun a son hit parade, mais je crois que tout le monde sera convaincu qu'Hergé est au top de ce hit parade. Et donc je dois rendre hommage et remercier Fanny et Nick Rodwell qui ont apprécié dès le premier jour notre petite proposition d'exposition Hergé et qui se sont montrés extrêmement généreux en disant ben, « s'il y a exposition, nous on aimerait faire un geste pour le Musée national d'art moderne en offrant cette planche ». En fait, aujourd'hui, c'est vraiment la consécration officielle du 9e art. Puisque... Si l'on veut bien dire que le Centre Pompidou est une institution culturelle importante dans le monde, je crois que c'est un petit peu de consécration, notamment dans ce bel accrochage que Jean-Pierre Reynaud a accepté, de mettre un peu dans cette sorte de sanctuaire cette magnifique planche qui est sans doute symbolique de la ligne claire d'Hergé. Et en fait, Hergé se retrouve parmi les siens, j'ai envie de dire, parce que c'était un grand amateur d'art. Il a été, depuis les soviets, il a été influencé par les courants d'art, que ce soit le futurisme, que ce soit... Je crois que c'est ce qu'on a voulu défendre, c'est-à-dire un Hergé parmi les artistes, artiste lui-même. Et je crois qu'entre Bacon, Matisse, Picasso qui l'entourent, il a sa place. Je suppose que l'amitié que vous portiez à Hergé, la complicité artistique que vous aviez avec lui, a favorisé le fait que cette planche se retrouve aujourd'hui dans une de vos œuvres. Je crois qu'elle prend tout son sens parce que ce conteneur qui a été construit il y a plus de 20 ans dans le centre est une sorte de musée dans le musée. Et je n'y mets à l'intérieur, j'ai ce grand privilège, que ce que je souhaite y faire rentrer. Donc c'est un considérable privilège. Il faut savoir que j'ai mis à l'intérieur le carré noir sur fond blanc de Malevitch, une œuvre d'Yves Klein. Il y a eu des moments comme ça incomparables. Et lorsque Pierre Estany, qui était un très célèbre critique, est mort, j'ai mis son portrait également dans le conteneur. Et bon, Hergé a été le génie que nous connaissons, que nous savons. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à la fin des années 70, en 72 ou 73, grâce à des expositions en Belgique où j'allais très souvent. Et nous avons eu la chance, en tant qu'homme, d'avoir le plaisir de se rencontrer et il a eu de l'intérêt pour mon œuvre. Bon, pour un jeune artiste comme je l'étais à l'époque, c'était évidemment incomparable. Et puis moi j'ai été bercé aussi par tous les albums de mon enfance, c'est un problème de génération. Mais je crois qu'on ne sort pas indemne d'une rencontre avec un homme hors du commun. J'avais eu l'occasion de déjeuner à New York avec Marcel Duchamp aussi en 65. J'ai eu dans cette vie longue aujourd'hui, puisque je vais avoir 70 ans, la chance de rencontrer des hommes hors du commun. Et évidemment, Georges Rémy, j'ai été un être qui m'a beaucoup marqué. Bien sûr. Et parmi les œuvres que vous aimez, où est-ce que vous vous rencontriez avec Hergé? Quels étaient les goûts communs que vous aviez? Ah, on et éventuellement ceux qui divergeaient. Non, c'est-à-dire qu'on s'apportait que du plaisir. Lui n'avait aucune raison de vouloir me flatter parce que j'étais quelqu'un. C'est un homme qui avait réussi sa démarche, qui était à l'apogée de sa démarche. Moi, j'étais un jeune artiste et dans le fond, il fallait qu'il y ait du désir pour continuer à vouloir continuer une aventure ensemble. Donc on se rencontrait au studio Hergé où on faisait un très sympathique restaurant, où on se rencontrait à la galerie de l'époque qui était Avenue Louise, qui était la galerie D. Et donc on avait ces discussions sur la passion de l'art car il était quand même très interrogé par le monde de l'art. C'est d'ailleurs très intéressant de constater que vous avez mis Malevitch, qui l'avait plus ou moins influencé pour Tintin au pays des soviets, la case noire, et Yves Klein. Donc il y avait déjà, l'esprit d'Hergé était déjà un peu dans votre œuvre. Ben, chez Hergé, il y avait une dimension spirituelle incontestable. Ça, on le voit dans son travail.
Moi, je ne sais pas si elle a lieu dans mon travail, mais en tous les cas, il y avait des connexions qui se faisaient. C'est vrai que la ligne claire, j'ai instantanément compris ce qui se passait. Ça correspondait aussi à ma façon de travailler l'espace, à cette épuration, travailler les archétypes, être dans ce minimum nécessaire comme ça. Et donc, on n'avait pas besoin de se parler à ce sujet-là. Mais bon, la chance pour un jeune artiste, c'est quand même de rencontrer un être vivant. Et moi, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir parler avec cet homme et de me passionner. Il était très intéressé par Warhol à un moment donné, tout ça. J'allais à New York, on était voilà, dans une ébullition à ce moment-là qui était extrêmement passionnante. Tout à fait. Excusez-moi, ce sera la dernière question. Elle est un petit peu people, c'est pour ça que je m'excuse, ça va. Quel est votre album préféré de Tintin? Ben, l'aventure au pays des Soviets reste, bon, pour moi, un petit peu comme le Container, cette épure noire et blanche, comme ça. Bon, d'abord parce que en amont de tout, il y a la naissance un peu des choses. Et bon, la naissance rejoint évidemment l'autre versant qui est la fin des choses. Mais bon, le début est un moment irrésistible de toute façon dans toutes les œuvres. Mais comme chez un artiste important, je crois qu'une œuvre se juge dans une totalité. Et je dois dire que je voudrais effacer le mot de préférence parce que je ne veux pas en préférer l'un que l'autre. Voilà, Madame la Présidente, chère Fanny Rodwell, Monsieur le Délégué, Monsieur le Ministre, cher William Mancion, cher Jean-Pierre Reynaud, cher Christiane Porzampa, cher Nick Rodwell, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, fin 2006, vous vous en souvenez, le Centre Pompidou avait inauguré la célébration de son 30e anniversaire avec une initiative qui a fait date, une grande exposition gratuite consacrée à Hergé, qui ouvrait également l'année du centenaire du dessinateur en 2007. L'exposition a recueilli un succès public impressionnant et entre les studios Hergé et le Centre Pompidou, elle a marqué en quelque sorte le premier acte d'une histoire commune dont il nous revient d'écrire aujourd'hui le deuxième acte. Avec l'entrée officielle dans les collections du Musée national d'art moderne de la planche originale 12 de l'affaire Tournesol, je crois que nous vivons un moment que je n'hésiterai pas à qualifier d'historique. Je tiens à saluer la très grande générosité de Fanny Rodwell, la présidente des studios Hergé, qui a permis cet enrichissement tout à fait exceptionnel de notre collection et des collections nationales. Chère Fanny Rodwell, je veux vous dire un très grand merci pour ce superbe don. Au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Christine Albanel, qui est représentée ici par sa conseillère Marie-Françoise Audouard, au nom aussi, bien sûr, du Centre Pompidou et de toutes ses équipes, c'est un moment historique, puisqu'avec ce don, c'est la bande dessinée qui entre pour la première fois au Musée national d'art moderne. Cette planche originale est en effet la première à entrer dans notre collection, et c'est un moment important dans l'histoire en train de s'écrire, de la pleine reconnaissance de la bande dessinée comme une discipline à part entière de la création contemporaine et par les grandes institutions muséographiques à travers le monde. Ce qui est en jeu ici, c'est la reconnaissance de la place considérable qu'a conquise au XXe siècle ce mode d'expression, qui est aussi un art, le neuvième art, selon la formule de grand créateur de bande dessinée, Maurice. Et c'est avec Hergé que le musée s'ouvre à ce nouveau champ de création. Je crois que c'est un choix que personne ne contestera, car Hergé était un créateur de génie. La planche 12 de l'affaire Tournesol est magnifique. Elle témoigne, je crois, d'une manière éclatante de la maîtrise parfaite de son art, et elle résume à elle seule, je crois, tout ce que nous aimons chez Tintin. Les personnages, bien sûr, je crois qu'ils y sont tous les principaux, Tintin, Milou, le capitaine Haddock, les Dupont-Dupont, le professeur Tournesol, le rire, bien sûr, qui est présent, mais aussi le suspense et l'aventure qui ne va pas tarder à emporter les lecteurs, qui ne va pas tarder à nous emporter. Je crois que pour toutes ces raisons, cette pièce va réjouir nos visiteurs. Je l'ai déjà évoqué, cette donation, elle est aussi le fruit de liens de confiance, de liens d'amitié, de liens de fidélité qui se sont noués entre le centre et les studios Hergé. C'est pourquoi, en complicité avec Jean-Pierre Reynaud, qui fait l'amitié d'être là aujourd'hui, en accord avec Fanny Rodwell,
Alfred Pacman et Laurent Lebon ont proposé que symboliquement cette planche prenne place au centre du fameux conteneur zéro qui est placé de manière permanente à l'entrée du musée. Car vous le savez, Jean-Pierre Reynaud était un ami proche de Hergé et Hergé était un collectionneur et un amateur avisé du travail de Jean-Pierre Reynaud. Je voudrais bien sûr saluer et remercier chaleureusement l'ensemble de celles et ceux qui ont rendu possible ce moment. Les studios Hergé, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, leur présidente Fanny Rodwell, Nick Rodwell, qui est ici, Sophie Chambre, Marcel Villemay, qui sont là aussi. Saluer aussi, naturellement, Jean-Pierre Reynaud et Christian de Porzampart, qui va présenter dans quelques minutes le musée Hergé de Louvain-la-Neuve qu'il a imaginé. Alfred Pacman, que je discerne là-bas au fond, le directeur du Musée national d'art moderne. Laurent Glépin, bien sûr, le directeur de la communication, et Laurent Lebon, le directeur du Centre Pompidou-Metz, mais aussi le commissaire de l'exposition Hergé et un tatinophile ardent et sans doute quelque peu contagieux. Et puis, bien sûr, mon prédécesseur, Bruno Racine, à qui je tiens à rendre hommage, à dire mon amitié, et qui a été à l'origine, en quelque sorte, de cette belle histoire. Mesdames, Messieurs, Tintin entre aujourd'hui au Musée national d'art moderne. Sur la planche qui nous est offerte, on ne voit jamais son visage. Hergé nous le montre systématiquement de dos, contrairement d'ailleurs aux autres personnages. Tintin regarde devant lui, déjà dans la suite, déjà vers ailleurs, déjà vers demain, à la fois spectateur du talent de son créateur et acteur de ses propres aventures. La planche est vierge à l'écriture. Tintin nous tourne le dos et pourtant, dès le premier dessin, le visiteur saura à qui il a affaire, qu'il soit belge, qu'il soit français, qu'il vienne du Japon, de Chine, du Brésil, des États-Unis. Je crois que le visiteur qui posera son regard sur cette planche identifiera d'un coup d'œil, en une fraction de seconde, le personnage de Tintin parce que Hergé a su créer un langage universel, la ligne claire n'a pas fini de nous éblouir, de nous réjouir, de nous surprendre. Merci beaucoup.